Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play donc sur Borderlands 3. Alors c'est vrai que ce jeu est sorti il y a déjà quelques mois de ça, mais je devais le faire de toute façon. Mais maintenant, je veux dire, avec Noël, vu qu'on me l'a offert, j'allais surtout pas me priver, hein, surtout que en ce moment, en janvier, il n'y aura qu'un seul jeu de disponible. Donc je compte bien aller celui-ci, donc enfin ce let's play à fond. Et je serai pas tout seul en plus, parce que je serai avec un pote. Donc on va déjà se lancer la petite cinématique d'intro, alors c'est parti. Salut. Calme-toi, mademoiselle. Pourquoi tu cries comme ça? Oh. Ça y est, on peut aller se battre, là? Ah non, il est arrivé. Wouhou. Les voilà. Ok, si tu veux quoi, toi? Attends, j'entends tirer dessus, mais je le vois pas. Hop là, tu dégages. Ok. Ils avaient pas une arme secondaire normalement dans le truc? Appuie sur C. C'est sur C? Ok. Et mec, j'entends des bruits, c'est un truc de ouf. Ah d'accord. C'est original, il veut me chier dans la bouche. Oh le bâtard. Je sais que Claptrap peut être un peu Claptrap, mais c'est quand même l'un des nôtres. Tu vas devoir le sauver. Je te rejoins très vite. What? T'es trop con, toi? J'en savais rien. Je me suis dit, merde, c'est génial ce truc, et puis non. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Bien sûr qu'il faut lui péter la gueule. À l'attaque! Stylé. Avec son bras et kiki, quoi. Ça, c'est la branlette, ça. On voit qu'il était que droitier. Ça, je suis sûr que c'est ça, mon gars. Mini Rocket! Ok, t'as raison. Aïe! Tire-le vers moi, là. Aïe! Bah alors, mon petit, tu as mal? J'ai plus de balles. Alors c'est à moi qui revient de le tuer, voilà. Aïe! Oh, j'ai. Un point pour les pillards écarlates. Moi aussi, j'ai eu un pont. Moi, j'ai un bug graphique. Moi, je suis électrocuté, là, c'est bon. J'ai un bug graphique, Lilith, c'était un dummy. Ah, bizarre ça. Alors, bouge pas. Ah merde, d'accord. Salope! J'étais en train de le raise, enculé. Moi qui ai pris les sonix, mais. Fais pas le malin là. Qu'est-ce qu'il branle? Là, voilà la badass. Bonjour mademoiselle. Ma bébé Lilith. N'importe quoi. Je touche quand même une île enculée. Bon, puisque la secte a détruit toutes les autres forteresses des pillards, on va s'installer ici. Alors, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Balon. Mose, c'est toi la voix dans ma tête, pas vrai? Ouais, je préfère te prévenir. C'est pas la chose la plus bizarre qui t'arrivera à te prendre. Mais sérieusement, merci d'avoir répondu à mon appel. On est peut-être pas nombreux, mais avec une brutasse comme toi, on a une petite chance. Vas-y, t'es bien gaulé, toi. Pandore
Ok, calme-toi. Voilà, c'est fait. Non. Comment on active la compétence? F. Le S? F. Ah, F. Oh, c'est parti, mon colonel! Oh! Oh, sa mère, c'est trop bien! Wouah, c'est trop bien ce truc! Et toi, t'as invité tes bébêtes? Ah, d'accord, oui, t'as pris lui. Je croyais que t'avais pris la bestiole. Voilà, merci, niveau 4. Il est gros lui. Un tank brutal. Wow. Calme-toi, c'est quoi ces grenades là? Ok, tu m'as chauffé. Tu m'as chauffé mon gars, tu veux faire le malin? C'est sûr. Voilà. Fais pas ton fou avec moi. Ah, ça y est, t'es enfin là, toi. Après que j'ai niqué toutes les personnes de la Terre. Oh, il est niveau 5 le Kémé là quand même. Oh! Tiens, je te se mettre le cul, toi. Il est où le mec qui tire? Elle est là-bas. C'est là! Tu as entendu la référence? Non. C'est la mort qui m'a assassiné! Tu connais pas, non? Cette chanson? C'est la mort qui m'a assassiné. Ah. Excellent! C'est une chanson à la base, mais il m'a tué quoi, il m'a dit ça comme ça là! Et quoi, au secours? C'est l'autre PD là de l'autre là? Il y a un chiotte! Ah! Bon, c'est surtout qu'il y a une vidéo. Putain la vache! Il est devenu bien dégueulasse! Eh ben... Oula! Toujours aussi folle celle-là. Bonjour madame. Ça va? Eh madame, eh t'as des gros nénés, ouais c'est... Oh, c'est... Regarde la référence sur son bras. T'as vu? Il y a son frère en crâne dessus. T'avais pas remarqué? L'autre a tatoué le crâne mort de son frère dessus, tu sais, c'est dégueulasse. Oh! D'accord, il est vénère ce snipe là par contre.
Oh mec, c'est un fusil sniper semi-auto en fait. Mais en flamme en plus. Par contre, tu fais pas des masses de dégâts, mais il est vénère. Fais pas le fou, toi. J'ai beau être sur son viseur, ça tire pas sur la tête. Genre l'arme, elle tire pas droit, mec. Ok, ça tire pas du tout exactement sur le même viseur. Hein. Là, oui, mais... Il en fait ce qu'il veut, parfois. Hein. À l'attaque, mon colonel! À l'attaque! Qu'est-ce que tu me regardes, toi? C'est tellement trop bien, ça, mais... Tiens, coup de crotte. Tiens. Aïe. Tiens, viens, on la défonce au coup de crosse, celui-là, là. Oh. Bon, j'ai pas eu besoin de toi. Yeah. Tiens. Oh. T'es enculé, arrête de mettre des coups de pied. C'est ce que j'allais dire. Elle est en train de te mettre des coups de pied, toi. Oh, bleu. Bâtard, sur les pommes. C'est quoi, ça? Fusil à pompe. On va prendre celui-là. Oh, tu pleures. Oh, bien. Ah, attends, le menu, c'est celui-là. Oh. Ça, c'était quoi, ça? Ça, c'était un fusil à pompe. Non, attends, c'est quoi, ça? On va tester ce truc. Donc là, il va y avoir un monsieur tout pas beau, là. Pour ça. Bah, je sais pas, c'est souvent le truc où il y a des messieurs pas beaux. Ah oui, c'est un de mes boss préférés que j'ai jamais fait sur tous les bras dans l'entrée. Ouais. Ouais. Sans compter Jack. Oh, c'est différent. Ah bah, ça va être un boss. Oh. Un petit boss, celui-là, il est mignon comme tout. Non, je suis pas d'accord. L'autre, elle veut que j'arrête de tirer dessus, tu sais. Alors maintenant pas, que tu me le dis. Grenade. Viens. Ah, ouais, c'est vrai. Mais ça te permet d'avoir deux trucs de ouf aussi. Ah, ouais, des belles grenades en plus. Alors attends, je vais m'équiper de ces belles grenades là. Voilà, c'est beau ça. C'est quoi ce 139? Fais pas les fous, toi. Oh, oh, oh. Wesh. Brûle. Il a éclaté comme une mouche, là. Alors, attends. Oh, regardez ça. Par contre, ce boss, je le connais, oui. Ah bon? Ah bah, il a été teasé dans tous les trucs, c'est celui avec les... Avec les haut-parleurs et tout. C'est celui qu'on a vu un peu partout dans les teasers, tu sais. Ouh. Tiens, dégage.
casse-toi de là, toi. À l'attaque! Tu veux faire le fou, c'est ça? Ah, j'adore! Ah, je kiffe ce robot, mon gars. Oh 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 oh. Non, j'ai pas envie, moi. Tiens, coup de crosse. Ouais, chaud, tu m'attaques au coup de pied. Tiens, mange. Raté. Viens m'aider. Attends, disons que je suis en train de me battre avec un ennemi. Voilà, merci. Ah, mais t'es mort, toi? Bah oui. Pour ça, je t'ai dit de venir m'aider. Attends, oh là oh là oh là oh là, oh là, mais il fait mal, lui. Bah oui. C'est lui qui m'a fait le cul. Voilà, où est-ce que t'es? Il est où ton corps? J'ai juste de lever le. Ah merde. Parce que j'étais en train de te raise. Il était méchant ce petit brutal. Des munitions. Ça c'est bien calme d'un coup là, la vache. Alors... Quoi ça? La munition? Une arme de merde. Ouais, deux armes pour un. Ils sont où les casiers là pour les munitions? Je les vois, mais je les. Je sais pas où ils sont. Peut-être au-dessus. Ça a l'air bien. Ouais? Ouais. On peut pas les avoir? Ah si, mais faut que tu prends loin. Oh, laisse tomber là. Oh! What the fuck, ils sont trop vénères, mon gars. Que ça serait par en dessous? Justement, c'est ça que je te demande en fait. T'as vu, c'est juste là. Hein. Je suis calé, putain. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Hop là, tu ne m'auras pas vu en salope. Je suis de la crosse. Je suis de la crosse. Bon bah là, il y en a là. Alors tu me dis, pour faire le plein de munitions, je fais quoi? Oh merde! Quoi? Mais non, mais t'es... D'accord. Pardon. Quelle vieille merde. J'ai glissé, chef. Oh là là. Sourasse de Marseillais. Il a un design assez cool quand même, faut dire ce qu'il est. Oh, la musique en plus qui se lance, ça par contre je me rappelais pas de ça. Ah oui. Yeah man. Oh là là, tellement stylé. Ouais, level 7. Oh là là.
Oh oui, je te défonce. Il a fait d'invincible. Fils de pute. What? Patate de forêt, mon gars. Oh, mec, je suis en train de le défoncer! Oh, t'as vu ce que je lui ai enlevé comme vie là? Attends, attends, attends. Wouhou! Regarde comment je le défonce là. Mec, je le cartouche! Ah, je le finis au corps à corps. Mec, je l'ai explosé! Mais qu'est-ce que. Bah ouais! J'y peux rien, je l'ai défoncé! Oh! Oh! Qu'est-ce que tu regardes, toi, le petit nain, là? Tiens! Alors! Mais. Laisse mon pote tranquille, toi! Hop là! Alors! Regarde, regarde, regarde! Quoi, t'es où? Ah oui, d'accord! Mais j'entendais pas ce qu'il disait, par contre. C'est quoi ça? Pourquoi je les entends à peine? Ouais, par contre, il y a la musique qui est trois fois plus forte que leurs paroles. Hein. Parce qu'il y a un mob qui est en haut. Où ça? Ah voilà, là j'entends bien. Là. Voilà, attends, il va falloir que je fasse le tri là parce que. Tiens, si tu veux, j'ai des trucs pour toi, là, tiens. De quoi? Je te balance plein de trucs. 146. Oh putain, elle est vénère, celle-là, tiens. Hop. Tiens, voilà, ça c'est pour toi. Ça aussi. Quoique, on peut les revendre. Attends, je vais les revendre. Voilà. T'es parti par où, là, salope? Eh, hey, enculé, t'es monté où? Voilà. Tu crois que je t'ai pas vu? Hein? Pédé. Mais t'es marre. Mais bon, t'es passé à côté de deux coffres, donc bon. Et avec une arme en plus de level 7, oh! Hop! On va prendre ça, voilà, merci. Y'a un truc bleu là. Ah bah voilà, c'était ça qu'il fallait faire en plus. Ok. Hey Bone, j'ai trouvé une tête dans un bocal. Tu sais qui c'est? Oh, c'est pas possible! C'est Vic, mon adjoint en chef! Ma meilleure potasse! Chope sa tête! Quoi? Quand on attrapait un espion industriel ou quand
Oh là. Je viens de m'exploser le cul en pétant, mec. En toussant, pardon. De t'exploser le cul ? Ouais. Parce que genre, j'ai pété en même temps, mais laisse tomber, ça a été d'une violence. Toujours vivant. Elle me demande de passer en vue orbitale. Ah bah voilà. Et il faut que je fasse quoi là? Merde. C'est méga stylé la vue orbitale par contre. De quoi? Je disais c'est méga stylé la vue orbitale. Je fais ça, je vais m'arrêter là, j'ai faim, moi. Oh, moi, je suis allé me pioter. En tout cas, c'est grave chambé, hein, de pouvoir jouer à la manette et tout, là. Et le boss, il a pas fait un pli, hein. On l'a défoncé, sa mère. Hein. Bah, même... j'ai même pas touché de trop, moi. Bah, oui. Et mec, j'avais un lance-flamme aussi, un sniper lance-flamme, je l'ai cartouché, quoi. Et merde. Voilà. Bonjour Lilith. C'est bien qu'on puisse compter sur autant de personnes. Bon alors, t'as vraiment la carte? Bien sûr. Et la peau? T'abuses. Quoi? Je te rappelle que je recorde. Ah. Oups. En pleine cinématique en plus. C'était mon nez. Connard. Comment qu'est fait la meuf? C'est pas normal. Je devrais pouvoir la charger. On a besoin d'aide. Il n'y a qu'une personne sur cette planète qui comprend la technologie. Ah oui. Patricia Tanis. Elle a un site de fouilles de l'autre côté de la vallée. Apporte-lui la carte. Pas de soucis. Je te rejoins dès que je peux. Je dois m'occuper de 2-3 trucs pour notre vaisseau. Ok. Bon bah voilà, on va s'arrêter ici sur ce premier épisode déjà, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais là je compte bien faire tout le jeu hein, du coup. Cool. Et oui ma couille droite. Cool et coucou le stage. Surtout que là en janvier il n'y a qu'un seul jeu qui va sortir, et donc le prochain c'est surtout en février-mars. C'est quoi ton prochain? Ça, c'est un... En fait c'est un jeu qui s'appelle Temtem. C'est un jeu style Pokémon, tu vois. Mais genre, beaucoup plus poussé, tu vois. Genre, déjà, c'est bien plus dur et tout. Et c'est pas genre Pokémon où, tu sais, tu peux faire lance-flamme direct dès le début, tu vois. C'est genre
un peu mieux dans le sens, je pourrais dire ça, un peu plus stratégique, tu vois, genre un peu plus stratégique, c'est genre, t'es obligé d'un peu... En fait, c'est une sorte de mélange de Pokémon et de ton jeu, tu sais, Hearthstone, où tu dois attendre des certains points d'action et tout, pour faire les grosses attaques et tout. D'accord. C'est vraiment super sympa. En plus, le jeu, il coûte quoi, 25-30 euros, donc c'est vraiment pas cher, quoi. Carrément. Je te montre rien, tu verras, c'est super sympa, quoi. C'est sur toutes les plateformes, en plus, c'est ça qui est bien, donc c'est pas limité à Nintendo, quoi. Bon, ben voilà, du coup, on va s'arrêter sur ce premier épisode, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bon, on se retrouvera pour le prochain, donc d'ici là, portez-vous bien, et à plus tout le monde. Bye bye.